Quelle est la longueur normale d'un détendeur capillaire pour un réfrigérateur Comment choisir un détendeur capillaire C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avant de commencer. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. De les partager afin de nous encourager de créer beaucoup plus de contenu pour vous. La longueur normale d'un détendeur capillaire peut varier en fonction du modèle et de la marque du réfrigérateur, ainsi que des spécifications du système de réfrigération. Cependant, pour la plupart des réfrigérateurs domestiques, la longueur typique d'un détendeur capillaire se situe généralement entre 1,5 m et 3 m. La longueur du détendeur capillaire est importante car elle détermine la résistance au débit du réfrigérant. Un détendeur capillaire plus long crée une plus grande résistance, ce qui limite le débit de réfrigérant dans le système. Trop de résistance peut entraîner un sous-refroidissement et des problèmes de performance du système. Il est important de noter que la longueur du détendeur capillaire doit être adaptée au pour assurer un fonctionnement optimal du système. Si vous avez des préoccupations concernant la longueur du détendeur capillaire de votre réfrigérateur ou si vous soupçonnez un problème lié à cette composante, il est recommandé de consulter le manuel du propriétaire du réfrigérateur. Ou de contacter un technicien frigoriste qualifié. Ils pourront vous fournir des informations spécifiques à votre modèle de réfrigérateur et vous aider à résoudre tout problème éventuel lié au détendeur capillaire.